L'année 2024 s'annonce comme celle de concrétisation des attentes des populations au Bénin. Le président Patrice Talon, au pouvoir depuis avril 2016, entrevoit pour le Bénin en 2024 des jours prospères au regard de l'évolution du monde. Patrice Talon est satisfait de la contribution des Béninois au paiement de leurs impôts et souhaite que les efforts consentis par ses concitoyens portent leurs fruits le plus rapidement possible. C'est au détour d'un entretien télévisé à la veille des fêtes de fin d'année qu'il s'est adressé à la nation. Pour l'année 2024, je souhaite à mes concitoyens, hommes et femmes, enfants, jeunes, des personnes âgées, je souhaite que l'année 2024 soit une année féconde, une année qui apporte les fruits de nos efforts, qui nous apporte plus de sérénité, de satisfaction, nous apporte la santé, améliore notre bien-être et soit l'année où notre façon d'exister, de vivre, de cohabiter ensemble soit des meilleures possibles pour qu'il soit agréable pour les Béninois de vivre entre eux. À l'occasion du message sur l'état de la nation, Patrice Talon avait déclaré devant les députés le 21 décembre 2023 que le nouvel état d'esprit qui caractérise désormais son pays et ses concitoyens le laisse entrevoir un vent nouveau fait de détermination, d'optimisme, de rigueur et de foi en l'avenir. En 2024 sera une belle année pour nous. Par la grâce de Dieu, par la grâce des mains de nos ancêtres, par la grâce de Dame Nature. C'est ma prière et je sais que de plus en plus, nous sommes exaucés. Donc 2024 sera pour les uns et les autres une bonne, une belle année. Les classements du FMI, des agences de notation internationale et celui de la Banque mondiale sur l'indice relatif à l'évaluation des politiques et des institutions laisse entrevoir une embellie en 2024 selon les autorités béninoises. Des réalisations d'infrastructures d'accès à l'eau potable, de formation technique et professionnelle, ainsi que l'amélioration du plateau technique d'hôpitaux et la mise en service du centre hospitalier international de Calavi sont annoncées pour 2024 dans le pays. Toutefois, nombre de Béninois espèrent une amélioration du panier de la ménagère face à la cherté des produits de première nécessité.